find me before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV. J'espère que... Et bien en fait j'ai plus envie de dire cette phrase, j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique pourquoi, parce que oui vraiment, j'espère que vous allez bien, parce que j'aime bien mes abonnés, souvent j'échange avec vous dans les commentaires, tout ça et tout. Mais cette phrase, à chaque fois que je lance une vidéo sur YouTube, je l'entends. Aujourd'hui c'est hallucinant, j'ai lancé je ne sais pas combien de vidéos YouTube, et à chaque fois j'entendais « Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien ». Donc c'était un petit peu mon petit coup de gueule. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres phrases alternatives, donc je vais peut-être continuer à vous dire j'espère que vous allez bien en début de vidéo, parce que je m'inquiète de savoir si vous allez bien, même si vous êtes bientôt 28 000 et que je ne peux pas communiquer avec tous, ça me fait quand même plaisir de savoir si vous allez bien, même si je n'ai pas de réponse en retour. Mais je vais quand même essayer de trouver une autre phrase, parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'originalité, de me démarquer des autres. Et cette phrase d'accroche commence à me gaver parce que j'en ai marre de l'entendre de partout. Voilà, donc la petite parenthèse est fermée, on va passer aux news sur Apex Legends bien évidemment. En ce lundi les amis, il y a quelques petites informations à vous donner sur le jeu. On va donc commencer avec un skin concept de l'ami FrozenFro sur Reddit. Il vient de le poster. En fait, c'est tout simplement le design de Crypto quand il était informaticien avant de devenir Crypto. Franchement, ce design est sympa. J'aimerais bien que les développeurs de chez Respawn le voient pour avoir l'idée de le sortir, parce que ce serait cool d'avoir justement ce skin de Crypto version avant, quand il était dans sa maison à faire du hacking avec sa sœur Mila Alexander, qui n'avait pas de problème avec le syndicat et que tout était calme dans sa vie. Donc voilà, j'ai trouvé le design sympa et j'avais envie de vous le partager. Ensuite, à l'approche de la saison 4, une info qui n'arrête pas de revenir, qui pour moi ne me semble pas du tout fondée ni confirmée, donc voilà, vraiment à prendre avec des guillemets, parce que voilà, je pense pas que ça arrive, mais bon, pourquoi pas, hein, je peux me tromper. C'est le mode PVE dans Apex Legends. De plus en plus, je vois de gens qui recommencent à en parler à l'approche d'un an du jeu. Alors en effet, dans Fortnite, vous avez sauvé le monde. Dans Overwatch, vous avez aussi un mode PVE. Souvent dans des petits jeux comme ça, bien, vous avez une petite campagne. Alors ce n'est pas le cas de tous les Battle Royale. Par exemple, sur PUBG, il n'y a rien du tout. Mais voilà, et depuis un petit moment, il y a cette petite rumeur qui court sur Apex Legends. Alors bien évidemment, quand on connaît la campagne de Titanfall 2, ça ne peut que donner envie, puisque Respawn Entertainment excelle dans ce domaine. Alors pourquoi tout ça revient sur une grande scène? En effet, Zatwan Mining Guy avait dataminé pas mal de choses, comme des commandes vocales qui parlaient de titans, de PNJ ou d'interactions. Alors en revanche, au niveau des titans, il y a très peu de temps, Respawn Entertainment avait bien confirmé qu'il n'y aura jamais de titans dans Apex Legends. Donc du coup, voilà, autant balayer la rumeur des titans dans Apex d'un revers de la main. Ils avaient expliqué qu'ils avaient fait des tests, mais que ça ne pouvait pas le faire. En revanche, le mode PvE, pourquoi pas? Donc pour l'instant, rien de concret. Après, il y a aussi ces fameux personnages, même plutôt ces personnages du Miss Crash dans le mode entraînement, qui se sont mis à bouger suite au Easter Egg, qui ont fait du coup monter un petit peu plus la rumeur comme quoi il pourrait être intégré dans un mode PvE, puisqu'en fait on avait des bots qui réagissaient, mais c'est surtout les enregistrements audio qui avaient mis la puce à l'oreille. Donc je surveille ça de tout près. Moi pour ma part, je vous dis très sincèrement, je suis pas certain que cette rumeur soit fondée, mais bon, on la garde de côté, on la met dans un petit coin, on la note et on regardera si jamais il y a des informations complémentaires qui finissent par arriver. Ensuite, dans une partie que j'avais faite, il me semble que c'était avec Waza TV, on était monté sur un sommet de la map duquel on peut sniper mais quasiment la totalité de la map, puisqu'on a une visue sur le sud et sur le nord, on va dire plutôt sur le sud-ouest et le nord-est. Et en fait, cet endroit, vous pouvez monter, je vais vous mettre la vidéo. Alors la vidéo, elle n'est pas de moi, parce que quand je l'ai fait, je n'avais pas du tout pensé à l'enregistrer, mais je m'étais dit, tiens, c'est fou, cet endroit, il est vraiment de ouf. Donc c'est un endroit connu, mais je suis pas certain que tout le monde le connaît. Donc je vous le partage en vidéo. Il faut avoir bien évidemment Pathfinder pour mettre une zipline et pour monter au sommet. Mais une fois que vous êtes en haut, si vous vous mettez sur le rebord, vous n'avez pas le fameux petit countdown qui dit que vous êtes hors de la map. Alors peut-être que ce sera corrigé par la suite par Respawn Entertainment, mais à savoir que pour l'instant c'est utilisable et ça vous permet vraiment d'avoir une visu de ouf, et encore plus si jamais vous avez un crabeur entre les mains. Et pour terminer les news du jour, hier il y a ZGaming Merchant qui nous a reposté une vidéo pour reparler du hop-up dual qui nous permettrait
peut-être d'avoir deux armes en main, enfin deux fois la même arme. Alors ce serait plutôt pour les pistolets. Après revient toujours le problème de comment pourrait être utilisé ce hop-up double pistolet, parce que clairement si jamais vous avez deux wingman dans les mains, je vous avoue que ça risque d'être un peu cheaté et de déséquilibrer pas mal une partie. Après bien sûr je pense qu'ils sont intelligents chez Respawn et si jamais ils intégraient un hop-up de ce style, forcément soit le hop-up serait très difficile à obtenir, soit la cadence des armes serait un petit peu différente. Par exemple avec un wingman vos deux armes tireraient alternativement et en fait ça augmenterait seulement la cadence et juste le visuel d'avoir deux wingman dans les deux mains. Bon bref, ça c'est à discuter, de toute façon pour l'instant ce n'est pas prévu mais ça avait été dataminé, donc du coup attendez-vous peut-être un jour à avoir ce fameux hop-up double pistolet. Ça avait été évoqué pour le RE45 et le P2020 et aussi confirmé plus ou moins parce que dans le trailer de la saison 3 on voyait Crypto tenir deux pistolets dans chaque main, on voyait aussi ce petit trophée de Mirage avec deux pistolets, du coup c'est à surveiller, peut-être que ça arrivera dans la prochaine saison. Quoi qu'il advienne concernant la saison 4, commencez à mettre un petit rappel dans votre calendrier car aux alentours du 14 janvier, c'est là qu'on va avoir les premières infos sur cette nouvelle saison. D'ailleurs dans la vidéo d'hier, je crois que j'ai dit 12 janvier, je m'étais planté, c'était le 14 janvier puisqu'en fait on a toujours les informations qui tombent un mardi, j'avais juste regardé sur le mauvais jour. Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de début de semaine, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à me soutenir sur Utip. Utip, vraiment, ça m'aide énormément. Vous êtes nombreux à le faire. Et franchement, un grand merci à tous. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord communautaire. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, surtout si vous travaillez. Et je vous dis à très vite en live ou en vidéo. Et une dernière chose, normalement, je vais réduire le rythme des vidéos. Ça fait des mois que je le dis. Je vais vraiment le faire parce que là, l'arrivée de mon fils est imminente. Donc voilà, attendez-vous à ce que dans le mois de janvier, on passe plutôt sur un format 3-4 vidéos par semaine. Je le répète, je le redis, je vais le faire. Voilà les amis, une bonne journée à tous.